Zapacote. Yo también. Alimne. ¡Eh, poro! ¡Poro! À Cusco. Si, si, Cusco. Una hora. Oh. Gasolina. No hay gasolina. Est-ce que vos chemins de fer au Pérou marchent tous aussi vite? Si vous avez un avion à prendre à Cusco, il n'y a pas de temps à perdre. Ne craignez rien. Chez nous, des touristes. Arrête. À Lima, sirven s'enseignant tous vos lettres sur la brevedad possible. Les passagers prenant l'avion sur Lima sont priés de faire contrôler leurs billets le plus tôt possible. Mon service est terminé. J'espère que vous êtes content d'avoir visité Cusco, la cité de la lumière. Si vous passez par Détroit... Entendu, Monsieur Potter, je m'inviterai à dîner. Merci. Je vous remercie. Je viens de faire un voyage charmant. Un voyage inoubliable. Si vous craignez de heurter ma susceptibilité en me donnant un pourboire royal, Miss Morris, ne craignez rien. Je suis habituée à accepter ce que l'on me donne. Les scrupules n'ont pas l'air de vous embarrasser beaucoup. Pour le fric, jamais. L'argent chante et j'aime sa musique. La plupart des hommes n'osent accepter l'argent des femmes. Ils ont grand tort, car c'est celui qui possède le parfum le plus doux. Todos los pasajeros que parten a Lima, sírvanse enseñar sus boletes a la brevedad posible. Les passagers prenant l'avion pour Lima,
sont priés de faire contrôler leurs billets le plus tôt possible. C'est très bien, je contrôlerai. Hé, Charlie, y a-t-il des touristes dans l'avion qui arrive? Je n'ai pas encore vérifié. Ed Morgan te cherche partout. Ma journée sera bien remplie. Monsieur et Madame Winston de Boston. Et Monsieur et Madame Richemont de Saint-Louis. Merci bien. Pas d'avion particulier en vue? Non. Tu demandes toujours s'il arrive un avion particulier et toujours je te réponds non. Peut-être un jour tu me répondras oui. Et alors, supposons qu'un avion particulier arrive. Eh bien, toi et moi, je le volerai. Décidément, tu m'amuses. Tu peux rigoler. Où est Morgan en ce moment? À El Prado. Tu dois te méfier de cette crapule. J'aime bien fréquenter Morgan. Près de lui, je me sens honnête. Bon, il faut que je m'occupe de mes pigeons tant qu'ils ont encore des plumes. Soyez les bienvenus à Cusco, cité de la lumière. C'est moi, Aristide, le guide officiel chargé de vous faire visiter la ville. C'est 100 soles par jour, chacun. On aurait dû nous prévenir. Vous êtes prévenus maintenant. Ce sont vos bagages? Oui. Muchacho, lleve estas maletas à l'hôtel. Ça te convient, chérie? Oui, ça va. Vous êtes un bel homme. Est-ce drôle de promener les gens? Tout dépend de ce qu'ils veulent voir. Je vais me rendre compte de tout. Je verrai ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai peine à respirer. C'est l'altitude. Nous sommes à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Habituez-vous à marcher doucement. Ça va être gai. Vous aimerez Cusco. Nous irons à l'hôtel nous changer tout d'abord. Je vous y attendrai, monsieur... Appelez-moi Harry. Ah bien. Où serez-vous si nous avions besoin de quelque chose? Juste derrière votre porte. Magnifique service. On n'a jamais eu à s'en plaindre. À l'hôtel. Chérie, tu ferais mieux de faire une bonne sieste en arrivant à l'hôtel. On sortira après. Est-ce que Morgan aquí? Si, señor. Je t'ai cherché partout. On me l'a dit. J'ai une affaire pour toi, Harry. Une bonne affaire. Combien? Tu verras, on partagera. J'ai confiance en toi. Eh bien, explique-moi. Une jeune fille européenne, je crois. Je ne sais pas trop de quel pays, mais elle a besoin d'aide. De quel genre? Je ne vais pas entrer dans ces détails. C'est ton rayon, pas le mien. Je n'ai pas vu cette femme, elle ne veut pas la voir. Oui, c'est une affaire louche, et si elle rate, tu ne me connais pas. Hein? Et où est-elle? Elle arrive aujourd'hui de La Paz, par camion. Personne ne voyage ainsi, à moins d'être obligé de passer la frontière en fraude. Vivre et laisser vivre. Je ne pose pas de questions. Au revoir. C'est pas tout. Je me demandais aussi pourquoi tu me dérangeais pour une chose que tu pouvais me dire par téléphone. Eh bien voilà. Le musée d'archéologie expose, paraît-il, un objet qui a du prix. Une pierre gravée par les Incas. Tiens, mais ça m'intéresse. On dit que c'est un Indien, un nommé Unca, qui a trouvé cette pierre gravée dont il manque un morceau. Ah. Oui, on ne peut retrouver ce morceau. Et on dit que cet Indien nommé Unca a payé à sa femme 50 mètres de soie et une paire de chaussures. Tu as de bonnes oreilles pour écouter tout ça. Je pensais que je devais t'en parler, au cas où tu aurais quelque chose à me dire. Je ne vois rien à te dire. Tu pourrais avoir une petite idée quand même. Je ne veux pas me creuser la tête, ça me fatigue. Ah, tu ne me cacherais rien à moi, ton vieux copain Ed Morgan. Compte là-dessus.
Qui t'a envoyé? Ne bouge pas, ou je te balance par la fenêtre. C'est bien Ed Morgan, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Je ne sais pas combien il t'a payé, mais ça ne t'a pas réussi. J'étais seulement chargé de vous effrayer. Alors là, t'as réussi. Tu m'as rendu très nerveux. Tu fais ça par profession ou par amusement? Ayez pitié de moi. Morgan m'a dit de ne pas vous tuer, seulement de tirer sur vous et de m'enfuir. Il m'a remis 500 solès. Je vais les voir. C'est mon argent? Plus maintenant. C'est manqué. Maintenant, écoute. Je n'aime pas ta tête. Et je te conseille de ne plus te mettre sur mon chemin. Bon. Non! Mon fusil! Le fusil! Où pourrais-je en avoir un autre? Devine un peu ce qui m'est arrivé, Ed. Je pense que ça t'intéresse et je viens t'en parler. Ne fais pas le méchant, Harry. Tu sais que je ne suis pas très alerte, mais j'ai des copains qui le sont pour moi. Tu en auras besoin si tu continues à agir comme ça avec moi. De quoi parles-tu? Je parle de ton ami avec le fusil. Pourquoi te fâcher? Je pouvais t'envoyer un tireur plus adroit. Tu le sais bien. Il faudrait peut-être que je te remercie. Regarde ça. Tu te crois malin parce que tu es grand, beau garçon et que tu as tout ce qu'il faut pour plaire. Tandis que moi, je ne suis qu'un vieillard fatigué. C'est bien l'opinion que tu te fais de moi. Tu es devenu vieux et gras, au point d'en être immonde et répugnant. Avant, j'étais comme toi. J'étais venu ici pour faire fortune. Quelques millions et je rentrais chez moi. Vois-tu, il y a 14 ans, je cherche le moyen de trouver ce fameux trésor. Mais quel rapport y a-t-il avec moi? Ne m'interromps pas. Tu as cette pierre. Celle qui nous indiquera l'endroit où Manco a planqué le trésor. Tu m'as devancé d'une demi-heure. Harry, tu sais où est le trésor des Incas et il te faut un associé. Tu avais peut-être quelque chose dans le ventre autrefois? Plus maintenant. Tu n'as plus assez de cran. Pour moi, tu n'es qu'un gros tas de graisse. Je n'ai pas besoin de toi. Peut-être est-ce simplement ma chance qui m'a mis sur la piste. Peut-être est-ce une piste intéressante, mais je n'ai pas besoin de toi. Je te le répète. Je connais un bon tireur plus adroit que l'autre. La prochaine fois que tu dirigeras un fusil vers moi, je te le rapporterai moi-même et je te le briserai sur le nez. Ne te fâche pas. Et n'oublie pas ce que je viens de te dire. Et encore un mot. Que penses-tu du boulot que je t'ai proposé, la gosse? T'es un drôle de gars, ma parole. Le marché tient toujours. C'est pas une blague, cette histoire? Pas du tout. La petite arrive par camion. Où allez-vous? Hôtel de touristes. C'est là. Oh, merci. À votre service. Vous avez devant vous la cathédrale de Cusco, qui abrite la fameuse cloche Marie Angola, dont le son se répercute à une distance de 7 km. Ce monument est réputé pour les trésors artistiques qu'il contient, et notamment une toile attribuée à Van Dyck. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Construit par des missionnaires espagnols en 1595. Il a résisté à deux tremblements de terre. Donnez-vous la peine d'entrer.
Hola, Viero. Que tal? Voulez-vous me remplacer, Seigneur Fernandez? Je commence à être enroué. Je crois que la salle 3 les intéressera. Si, si. Par ici, mesdames et messieurs. Ces couteaux en bronze dont se servaient les chirurgiens sont le témoignage d'une civilisation déjà très avancée. La preuve en est que deux célèbres chirurgiens péruviens ont récemment pratiqué une opération au moyen de ces couteaux que les Incas utilisaient pour ouvrir les crânes. L'opération a parfaitement réussi. Ces étoffes sont d'une finesse et d'une beauté unique au monde. Elles rivalisent avec les plus belles qu'on a trouvées en Égypte. Les plus grandes découvertes sont bien souvent le fait du hasard. Un indigène a révélé l'existence d'une ville enfouie pour un verre d'alcool. Un enfant qui cherchait une brebis égarée trouva la pierre de Rosette. En 1950, un tremblement de terre mit au jour une chambre secrète. Et voilà un plan en relief tout en marbre montrant la voie des tombeaux des souverains de Machu Picchu et de Cusco. Et là, vous voyez une magnifique collection de vases, de plateaux et d'assiettes de formes et de décorations diverses, découverts près de la vallée sacrée des... Elle ressemble beaucoup à ma mère. Mm-hmm. Votre mère est vraiment belle. Très intéressante variété d'armes, de pierres et de bronze. Les changements ne vous déplaisent pas quand même. Et à vous. Ces grands vases, appelés Aribalos à cause de leur similitude avec les vases grecs, servaient à la préparation du chicha. Ils ont été découverts en 1915 dans une tombe des environs de Cusco. Et maintenant, la pièce la plus curieuse. Oh, non, c'est admirable. C'est inestimable. Oui, c'est $1,000,000 à portée de la main. Je croyais que vous étiez à faune, monsieur Stéphane. Non, pas sur ce sujet. D'où vient cette merveille? Celle-là est un don du conquistador espagnol Pizarro. Cette image de Phébus est du pur Inca. Une autre image du dieu de la lumière, mais deux fois plus grande, a été dérobée au temple du soleil il y a environ 4 siècles. Sertie de 119 beaux diamants, de 243 autres pierres précieuses, son poids dépassé en or pur plus de 30 livres. On ne l'a jamais retrouvé. D'après une légende inca, leur empire fut anéanti par les dieux pour les punir de cette disparition. Les Indiens pensent que leur empire sera restauré s'ils retrouvent l'image de Phébus. Ça, ce n'est qu'une réplique. Vous croyez qu'un tel objet peut exister? Eh bien, ça m'étonnerait que les archéologues aient fouillé la moitié du Pérou pour ne découvrir que des ruines et des momies. Ça valait la peine de le dire. Certainement. Hé, hey Louis, que tal? Hola, Harry. Ah, bonsoir, Harry. Bonsoir, Monsieur Winston. Madame Winston. Bonsoir. Nous voudrions visiter Cusco la nuit. Vous pourriez nous conduire? Oui, pas grand-chose à voir. Les danses du pays, si ça vous intéresse. Ça doit être très curieux. Oh, bien sûr. Mais c'est un genre de spectacle dont je suis blasé. Tenez, allez là de ma part, à El Prado. Demandez Ed Morgan. Il vous fera passer une bonne soirée. Ed Morgan. C'est un de vos amis? Ne lui confiez pas votre porte-monnaie. Je pensais que vous nous accompagneriez. J'attends une femme. Oh. Nous ne voudrions pas nous immiscer dans votre vie privée. N'ayez crainte. Merci, Harry. Un bon matin. Amusez-vous bien. Pouvez-vous me dire où est Monsieur Aristide? Là-bas, au bar. Merci. Monsieur Steele, Harry Steele. Le nom a-t-il de l'importance? Oui, parce que je m'appelle Steele et que je suis plus grand que vous. Oh, mais Vous auriez dû attendre au muséum cet après-midi. J'ignorais qui vous étiez. Maintenant, vous le savez. J'ai téléphoné à M. Morgan. Je compte sur votre appui. Il me
M. Morgan dit des tas de choses. Qui vous l'a recommandé? Nina Costa elle-même. J'étais au club Granada à La Paz. Je travaillais chez elle. Danseuse. Le club recrute maintenant de belles filles? Je ne suis que danseuse, Monsieur Steele. Appelez-moi Harry. Desea tomar algo, la señorita? Il demande ce que vous voulez boire. Oh, merci. Un pisco sour dans un grand verre. Et pisco sour double. Muy bien. Quel est votre nom? Hélène. Hélène Antonescu. Monsieur Morgan dit que vous venez d'Europe, mais il ne sait pas de quel pays. C'est sans importance. Ah, vous croyez? Comment êtes-vous passé? Sous la barrière? Illégalement, oui. Ce n'est pas très facile. Et depuis, la police me recherche pour me refouler. 6 soles. Ça fait 6 soles. Mon budget est serré. Quel est votre programme? Je voudrais pouvoir entrer aux États-Unis. Pourquoi pas autre chose de plus facile? Un bon petit meurtre ou un trafic de pénicilline? Tout ce que je vous demande, c'est gagner le Nord. Si j'arrive à Mexico, alors je me serai beaucoup rapproché des États-Unis. Ce n'est pas si facile, croyez-moi. Vous m'aiderez bien? Ne me bousculez pas. Comment franchir la frontière de Bolivie? Je la franchirai au lac Titicaca. Un petit sourire aux gardes remplacera le passeport, hein? Je n'ai pas de passeport. Et pour quelle raison vouliez-vous quitter La Paz? La police. Aucun moyen n'existant, c'est ce qu'on me reproche. Ils sont aveugles. Faites-nous servir encore deux verres. J'ai de quoi payer. Allô? Très bien. Brice, llévelos à la mesa, por favor. Muy bien, Harry. Par ici. C'était Morgan au téléphone. Il y a un rapport sur vous à La Paz. Il paraît que vous êtes un gibier de choix. Emmenez-moi vers le nord. Je connais un homme capable de vous faire passer en Équateur. Mais il faut payer très cher ses services. Si vous ne veniez pas à mon secours, je courrais un danger terrible. C'est que je me fais payer cher aussi. Je sais que mon sort dépend de vous. Vous ne me comprenez pas. Combien d'argent avez-vous? À peu près 50 dollars. C'est une plaisanterie. Mais c'est tout ce dont je dispose, je vous l'affirme. Mais pour moi, c'est à peine un pourboire. Ça me coûterait beaucoup plus que ça, rien que pour prendre rendez-vous avec mon gars. Je regrette, ma petite, mais 50 dollars, c'est une affaire insignifiante pour moi. Vous ne m'aiderez pas? Certainement pas. La scène est émouvante. Et très bien joué. Ça réussit quelquefois. J'ai vu tellement de femmes pleurer qu'il est rare que ça prenne avec moi. Servir de guide à Cusco. Vous pouvez rester ici quelques jours. Merci. C'est inutile, il me retrouvera. Qui ça? Un type du deuxième bureau. J'ai quitté La Paz à cause de lui. J'ai fait une bêtise, entré au service des renseignements. Il va arriver en avion et me ramener.
Oui, il n'y a pas de service par avion jusqu'à vendredi. Il pilote son avion lui-même. Il a un avion en privé? Ce gars qui vous poursuit, un grand ou un petit? Petit, je crois. Pourquoi? C'est une idée à moi, mon petit, l'avion. Il est à La Paz, vous dites. Quel est son nom? Marco. Antoine Marco. Allez dormir, je vous verrai plus tard. La Paz? Si, señor Marco, por favor. Hotel Los Arcos, probablemente. Si, Marco. Allô, señor Marco? Vous parlez français? Ah. Je m'appelle Steele. Harry Steele. Qui vous a permis? La clé était sur la porte, alors je me suis permis d'entrer pour vous tenir compagnie. Non. On va bavarder quand même. J'ai dit non. Je viens vous apprendre une chose plutôt fâcheuse. La police, elle est après moi. Pire que ça. Marco sait où vous êtes. Comment l'a-t-il su? Oh, par un mouchard, sûrement. Et là, pas si vite, il ne viendra pas avant demain. Mais je tiens à causer avec lui en votre présence. J'ai appris à me méfier de tout le monde, monsieur Steele. Vous ne trouverez pas surprenant que je me méfie de vous? Nul ne se fie à moi. Marco, quelle importance a-t-il pour vous? Marco ne m'intéresse pas, tandis que son petit avion privé... Il vient pour moi, pour me ramener s'il me trouve ici. Je crois qu'il vaut mieux que je sois franc avec vous. Cela vous changera. Je déteste dire la vérité. Mais voilà mon plan. Je voudrais m'emparer de son avion. Ça ne me concerne pas. Vous êtes là-bas. Vous vous occuperez du gars pour me donner le temps de mettre le grappin sur l'avion, vous comprenez bien? Vous m'appelez à votre secours. Alors, si je vous rends ce service, que ferez-vous pour moi? Quand je partirai, vous viendrez avec moi. Mexico? À l'Équateur. Mexico. Pas tout de suite. D'abord, j'ai quelque chose à faire. Très bien. Je ne partirai pas. Comment faire pour voler l'avion? Tout ce qu'il faut, c'est les clés. Vous les prendrez facilement. Comment? Dans la poche de son pantalon. Ça va. Je trouverai un autre moyen. Monsieur Steele. Vous avez dit à Marco que j'étais là, monsieur Steele. Appelez-moi Harry. Disparaître par un avion qui se bat à Terrezanto. Dégagez la piste, un avion atterri. C'est l'appareil que tu as dans l'œil? C'est lui. C'est un ami. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Il a demandé qu'on lui fasse le plein d'essence. D'accord. Qui dois-je débiter? Marco. Marco. M-A-R-C-O. Il voudrait une révision. Rien de plus simple. Bienvenue à Cusco, la cité de la lumière, monsieur Marco. Ah, c'est vous qui m'avez appelé? C'est moi-même, Harry Steele. La jeune dame dont nous parlions? Je l'ai décidé à rester, à s'entendre avec vous. Vous lui avez dit que j'arrivais? Elle ne s'est pas sauvée? Je lui ai promis un tas de choses, de l'aider à s'échapper, un truc comme ça. Vous êtes très intelligent, monsieur... Appelez-moi Harry.
Je n'ai plus besoin de vous. Dites-moi seulement où elle est. Je ne voudrais pas paraître profiter des circonstances, mais mon compte en banque est débitaire. Tengue, livre ou dollar, ce que vous voudrez. Vous voulez votre argent? Mm-hmm. Je l'ai mis de ce côté. Où est-elle? Quand il sera de ce côté, nous irons la voir. Prenez mes bagages. Non avez-y, Johnny. Am făcut toate aranjamente. Nu aveți nicio neplăcere fără pasport. Dacă veniți cu mine. E si je refuse? Va fi obligat să vă predat to authorities. Ne me donnez pas beaucoup de choix. Doriți să vă veniți? E si je vous suis? Qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Dites-y, vorbești franceste. Pourquoi parlez-vous français? C'est par politesse. Elle sait que je ne vous comprends pas. Mais ça m'amuse. Bonjour, Madame Whitson. Alors, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Nimica. Este numai formalitatea. Credeți că guvernamentul nostru este barbaresc? Je ne reverrai plus la lumière du jour si jamais je vous suivais. Ce faci aici? Ce que je ferai, je resterai près d'amis qui me protégeront. Lui? Vous placez mal votre confiance. Le premier venu peut l'acheter. Vous, demandez-moi un verre. Bien sûr. Exécutez vos ordres à plaisir. Doritz, Doritz. Lo mismo. Ton type là-bas, tu l'auras avec ça, Harry. Il est plus solide qu'il n'a l'air. Oui, mais il se méfie pas de l'altitude. On verra bien. Attends, je veux te dire un mot. Non. Tu m'en veux toujours, Harry? Fiche-moi la paix, Ed. Je passe Novinitz Kumine. Bah, les pattes. Elle. Oh. Dake Novinitz Kumine. Je vous ai dit, bas les pattes. Hey! Est-il nécessaire de vous mettre en colère? En colère? Si j'étais en colère, voilà ce que j'aurais fait. Hey! Je suis trop impatient. Les clés doivent être dans son veston. Manuel! Emmenez-le. Il a vu un peu trop. Il ne s'est pas méfié. Chambre 218. Mettez-le au chaud, quelque part. Ça doit être l'altitude. Très mauvaise altitude. Et maintenant? Votre chambre est le 220, à côté de la sienne, sur le même balcon. Vous me demandez de prendre ses clés? Pourquoi pas vous? S'il se réveille et vous trouve dans sa chambre, il n'osera jamais crier. Que je te parle, Harry. J'ai pas de temps à perdre avec toi. C'est pour cette pierre que je sais que tu as. Pourquoi ne te rases-tu pas de temps en temps? Je peux te l'acheter. Je paierai un bon prix. Fixe la somme. Tu me fais un peu pitié. Tu es tout tremblant. Jusqu'à présent, je n'ai rien dit. Maintenant, c'est différent. J'aurai de gré ou de force. Viens la chercher. Je m'en souviendrai, Harry. Je te fais confiance pour ça. Il n'a même pas bougé. Il faut aller prendre nos bagages. Donne-moi les clés. Quand nous serons dans l'avion, pas avant. Je croyais que vous commenciez à croire en moi, Miss Antonescu. Appelez-moi Hélène.
tarde y me tienes esperando. Más fácil es llegar tarde de una cita que ir tarde. Siempre salga. Je vais les éloigner d'ici. Dès qu'ils sont partis, courez à l'avion et déverrouillez le tableau de bord puisque vous avez la clé. ¿Qué fue eso? A ver qué pasa. Vamos, pronto. ¡Apúrate! ¡Por aquí! ¡Con cuidado! Charlie, il a mis assez d'essence pour 8 heures. À peine à 10 000 de l'autre côté de la rivière, et c'est là où nous allons. Pourquoi s'arrêter ici? Je croyais qu'on allait franchir la frontière. C'est ce qu'ils doivent penser à Cusco. Nous avons suffisamment d'essence pour y arriver, et ils le savent. On nous a repérés point par point, et on nous attend. Mais nous n'y serons pas. Je ne vous comprends pas. Écoutez, ne recommencez pas à m'embêter. Si je suis là, j'ai mes raisons. Ou bien vous changez de vêtements et vous venez avec moi, ou bien vous repartez à pied, par là. J'ai le droit de poser des questions. Oh, bien sûr, mais n'en posez pas. C'est beaucoup mieux. Pas de bas de soie demain. Ah, je n'ai pas envie de plaisanter. Vous deviez m'emmener à Mexico. Je n'ai pas dit quand. Alors où allons-nous? Vous êtes en parlé, Machu Picchu? Non. C'est une antique cité des Incas, abandonnée et perdue depuis plus de 1000 ans. Vous la verrez demain. Pourquoi cette hâte à vous rendre là-bas? Parce qu'on n'y paye pas d'impôts. Je veux aller à Mexico, c'était promis. Ça suffit. Harry. Oui. J'ai froid. Ah.
Vous êtes de quel pays, Harry? De Californie. Oh, de Californie. On m'a parlé de la Californie. C'est un paradis. Vous n'aimeriez pas retourner là-bas? Bien sûr. J'y retournerai volontiers. Malheureusement, je n'y ai plus personne. Et y aller seul ne m'intéresse pas. Je vous comprends. Le plus beau pays du monde est ennuyeux quand on y est seul. Vous aimeriez y vivre? Ça dépend avec qui. Ne me dites pas. Peut-être aurais-je pu me raser. Vous me plaisez comme ça. Finalement, vous m'avez compris. Et demain, nous prendrons l'avion pour aller d'abord à Mexico. Et après... Nous en reparlerons demain. On arrive bientôt. Je peux respirer. L'air devient de plus en plus rare ici. Nous sommes à plus de 2500 mètres. La ville où nous allons. Machu Picchu? Supposons qu'il y ait quelqu'un qui te connaisse. Non, il n'y aura personne. Quelques Indiens, peut-être. Ce n'est pas un lieu de séjour. N'y va guère de monde à Machu Picchu. Je m'en passerai volontiers. Moi aussi. Ça va te réveiller un moment. Veux-tu que je te porte sur mes épaules? Non. J'aime autant ça. Voilà. Machu Picchu. La cité perdue des Incas. Un camp? Quelqu'un nous a devancé. Peut-être que ce ne sont que des touristes. Non, on ne vient là que pour faire des fouilles. C'est ça qui les attire. Je n'aime guère cette compétition. Aucun doute, un groupe d'archéologues en expédition. Inventons une histoire. Faute d'essence, nous sommes tombés en panne, entendu? On cherche de l'essence. Et toi et moi, que sommes-nous l'un pour l'autre? Frères et sœurs? Personne ne le croira, moi le premier. Disons simplement que je pilote ton avion. Tu es blessé? J'ai glissé.
Regarde où tu mets les pieds, il y a des précipices. Fais attention. Hola! Hola! Ayamoye, taetata. Un peu plus tard. Il s'occupe d'une affaire importante. Attendez. Vous parlez français? On me l'a enseigné à l'université de Cusco. Que fait-on là-dedans? On ramène au jour la Mamacuna. C'était la grande prêtresse. Sa momie a été découverte ce matin. Troubler les sépultures, ça ne devrait pas être permis. Y avait-il un trésor? Non. Mais on espère découvrir la tombe du dernier chef Inca. Je sais bien qu'on cherche la tombe de Manco depuis fort longtemps. Vous savez son nom? Mais pas le vôtre. Je m'appelle Pachacutec. Et vous? Je m'appelle Harry. Voulez-vous attendre, je vous prie? Livingstone, je présume. Mourad est mon nom. Il n'y a pas de Livingstone dans notre expédition. Ah, c'est une plaisanterie. C'est très amusant. Je m'appelle Steele. Harry Steele. Mademoiselle Hélène Antonescu. Notre avion est en panne. Monsieur Steele est mon pilote. Je me suis écarté de ma route et suis en panne d'essence, à 10 000 de là. Des indigènes nous ont appris votre présence et nous voilà. Il nous faut de l'essence. Je regrette, nous n'en avons pas. Nous ne nous servons pas d'essence. On pourrait alerter Tampu par radio. Notre base de ravitaillement enverrait de l'essence par convoi. Vous avez un émetteur en côte? Ça demandera tout de même quelques jours. Nous ne sommes pas pressés. Parfait. Je vous présente M. Lang, mon assistant. Mademoiselle Antonescu, M. Steele. Enchanté. Enchanté. Et voici le colonel Cardoza. Vous verrez les autres plus tard. Nous venons de faire une importante découverte. Vous êtes assez nombreux? Nous représentons 3 muséums et universités. New York, Mexico City et Lima. Le colonel Cardoza représente le gouvernement péruvien. Il est là pour s'assurer qu'on ne s'approprie aucun souvenir. Cette règle ne concerne que les savants, señorita. Pour vous, toute la cité est à vous. Merci, je l'emporterai quand je m'en irai. Vous êtes blessé? Oh, une égratignure, rien de sérieux. Emmenez-la à l'infirmerie, je vous rejoins dans une minute. Certainement, docteur Mourad. Voulez-vous que je vous pente? Ce n'est pas si grave. Oh, c'est dommage. Mademoiselle Antonescu est... très séduisante. Mes collègues et moi, nous ne voyons pas souvent de charmantes femmes ici. Votre assistant voudrait rattraper le temps perdu, il me semble. Oh. Vous rassurez-vous, moi je ne suis que son pilote. S'il y avait une toute petite place où m'installer, j'aimerais bien me débarbouiller. Il y a une couchette dans la tente radio. Je vais le conduire. On dîne à la tombée de la nuit, dans une heure. J'espère rendre agréable votre séjour parmi nous. Je vous remercie, je crois que je ne m'ennuierai pas. Je ne voudrais pas vous importuner. Non, 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 pas du tout. On pourrait loger Mademoiselle Hélène au temple, docteur. Mais parfaitement. Je vous présente Coritica, mon assistante de laboratoire, Mademoiselle Antonescu. Vous êtes tombée? Même pas. J'ai heurté un rocher. C'est pas grave alors si vous n'avez pas touché la terre. Les bactéries à cette altitude sont assez dangereuses. Eh bien, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Oh, ça suffit. C'est plus que suffisant. Vous voulez m'examiner, non? Seulement l'endroit blessé, autrement vous pourriez être gêné. Oh, mais non, vous êtes docteur. Pas docteur en médecine, docteur S. Art et Sciences. Oh, y a-t-il une différence? Oui, en principe, une grande différence. C'est assez? Désinfectant. Teinture d'iode. Beaucoup teinture d'iode. Non, autre chose. Plus doux. Pas teinture d'iode? Oh!
teinture d'iode. Votre palais est prêt, princesse. Et si vous voulez me suivre? Corética pourra l'accompagner. Merci, docteur. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Yuchukui. Paquequita. Yuchukui, pachaikita. Désolée, je ne comprends rien du tout. Elle dit, entrez, c'est un bain. C'est trop petit. Vous vous tenez debout, vous comprenez? Ah oui, merci. Vous parlez français très bien. Ah, vraiment? Ayakanka, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous êtes très belle. Ah! Va-t'en, je prends un bain. Tu n'as pas à être gênée devant moi. Tu ne penses pas aux autres. Justement, tu laisses la fenêtre ouverte, alors tous les voisins se plaignent. Et depuis quand es-tu là? Des heures et des heures. Menteur, ne reste pas là. Allons, va-t'en. Très bien. Il faut du temps pour s'habituer à ton caractère. Mais c'est vrai, ce qu'elle a dit, tu es vraiment Ayakonka. Blanche comme un poisson mort, c'est ce que ça signifie. Oh! Manamuna nicho kai mahtata. Iskauyarunam. Kichayaremon pues runa semita. Iskauyarunam. Pas mal. Ça vous va mieux qu'au Famanka. Pachakutek. Oui. Dites à votre sœur que je comprends le Kichwa, moi aussi. Vous êtes offensé? Non. Elle dit ce qu'elle pense. J'aime ça. Mais de quoi a-t-elle parlé? Elle dit que je ne regarde pas en face. C'est une expression que les Indiens emploient pour désigner ceux dont il faut se méfier. Menteur, tricheur ou voleur. Peut-être a-t-elle raison, qu'en penses-tu? J'ai compris, le silence est une opinion. En tout cas, je sais ce que je vaux. Et je m'en accommode. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Harry? Je veux devenir riche. Et vite. Comment? Cet homme qu'on vient d'ouvrir enferme un énorme disque d'or serti de 119 diamants purs et de 243 autres pierres précieuses. C'est pour moi. Tu vas voler ce disque malgré toutes ces personnes auprès de toi? Moi, j'ai un avantage. Je sais qu'il est là. Et je sais exactement où. Eux, non. Suppose que je leur dise ce que je pense de toi. Pas de danger. Tu ne veux retourner à aucun prix en Europe, si je me rappelle. Tu ne peux quitter le Pérou sans moi. Et pour emmener avec moi ce trésor inestimable, j'avais besoin de l'avion. Mais je n'avais pas besoin de toi. Il fallait m'abandonner dans la forêt. J'y ai pensé un moment. Tu as oublié quelque chose. Vraiment? La radio. Ils alerteront la police et nous serons signalés un peu partout. Il faut penser à ça. Curieux. Hier, ils ont essayé le poste de radio pour demander de l'essence. Il ne marchait pas. Nous aurons de la chance.
civilisation Inca était déjà à son déclin quand ces objets furent faits. Et la tombe de Manco. Pensez-vous y trouver l'image de Phoebus? Vous avez l'air bien renseigné. Un petit peu. Tout le monde connaît son histoire. Ce symbole était le trésor légendaire des Incas. J'en ai entendu parler. Vous dites légendaire? Je ne crois pas qu'il existe. Tu t'imagines qu'il y a bien longtemps, il a été fondu et détruit. L'archéologie nous apprend que les objets faits de métal ordinaire subsistent durant des siècles et sont sans histoire. Les objets en or ne durent pas autant que ceux qui les fabriquent. En somme, l'or a davantage de valeur quand il est fondu. Tout dépend de votre façon de voir, monsieur Steele. Appelez-moi Harry. Taïta, avec votre permission. Bien sûr. Coritica est très fière de sa race. Elle est fidèle aux anciennes coutumes. Au couchant, elle observe la loi Inca. Que fait-elle avec toute cette nourriture? C'est une offrande à Mamacuna. Pourrais-je voir cette cérémonie? Certainement. Harry? La fille d'Inti chanta cette chanson quand elle et les vierges du temple furent réclamées par le soleil. Avoir des choses extraordinaires à apprendre chez ce peuple. Demain, ils viendront par milliers. Hein, la découverte de Mamacuna est un grand événement pour eux. Et pour vous? Il m'arrive de faire des trouvailles, parfois très belles, étranges et inattendues. J'envie votre calme. Votre existence doit être bien agréable. J'essaie de la rendre agréable.
est-ce suffisamment confortable ici? Mais oui. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Non, merci. Vous êtes sûr? Oui, merci. Alors, tant mieux. Bien. Oh, et votre épaule? Oh, ça va. Il n'y a pas eu d'ennui. Grâce à vos bons soins, vous êtes un adroit chirurgien. Les archéologues doivent avoir des doigtés pour éviter que ce qu'ils touchent tombe en poussière. Oh, c'est horrible. C'est pas pour moi que vous dites ça. Non, vous n'êtes pas en cause. Ah, je sais. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain, docteur Moorhead. Et je vous dis encore merci. Je vous ai cherché partout. Dites-moi, docteur, quelle est votre opinion sur la civilisation Inca, cette civilisation? Es-tu venu? En suivant mon nez, vieux, en suivant mon nez. Continue de le suivre et fous-moi le camp. Ah non, pas de blague, tout ça c'est fini. C'est plus sérieux, Harry. Je m'amène et je m'en vais pas. Très bien, Ed. Je veux être beau joueur. Business is business. Puisque tu as été assez malin pour me dégoter, tu pourras immédiatement te mettre dans le bain avec moi, si tu veux. C'est très gentil à toi, Harry. C'est ça que tu cherches? Toi et moi, dans notre petit business, on vient de former une société. On va nommer le président d'abord. Avec ses 6 voix, c'est moi. Assieds-toi. Par ici. Personne d'autre ne sait où je suis? Personne ne s'occupe de toi. Tu te sens mieux? C'est étonnant, tu ne trouves pas? Le gars de l'avion n'a même pas déposé de plainte. Il ne doit pas être bien fier de s'être fait rouler. Ça, c'est très possible. En tout cas, tu es en règle. Excepté avec moi. Et que penses-tu faire? Autrefois, tu commandais. Par force, je t'obéissais. Maintenant, je commande. Sois gentil. Donne-moi cette pierre. Et si je te dis non? Harry, si je ne me retenais pas, je pourrais te trouver la tête. Quant à moi, je m'en tirerais facilement. Car ton passé plaiderait pour moi. Tu peux envoyer. Et maintenant? Maintenant, parlons. Cette expédition, on m'en a parlé à Cusco après ta fuite. Où en sont-ils de leur recherche? Ils vont pénétrer dans le tombeau. Celui de Manco? Sans doute. Dans ce tombeau, le trésor? D'après ce qu'indique la pierre. Ça va. Oh, ça va très bien. Puisque t'es de bonne humeur, comment partager, toi et moi? 50-50, tout par moitié. Dès que le trésor est pris, on file d'ici tous les deux. Quand on trouve un lieu propice, on partage, tout par moitié. Je suis en train de m'imaginer ta loyale poignée de main. Si tu ne me crois pas, ne ferme pas l'œil. Et puis,
Lagos. J'aime les femmes. Celle-là, telle que je la vois, finira en beauté avec mon fric, si elle veut. T'es pas malade. Et toi, Harry, est-ce que ça va? Allons-y. Pour expliquer à tout le monde la présence ici d'un singe comme toi, il faut que je trouve une bonne raison. Toujours le même, Harry. Tu ne changeras pas. Docteur Mourad, voici Ed Morgan, un de mes amis. Le docteur Mourad, le chef de l'expédition. Mais c'est très bien cet endroit, docteur. Monsieur Morgan vient de Cusco avec l'essence dont nous avions besoin. J'avais pu envoyer un message par radio du bord avant d'atterrir, sans savoir si quelqu'un le capterait ou non. Je l'ai su et j'ai décidé d'apporter l'essence moi-même. Je ne sais rien refuser à ce brave garçon. Comment nous avez-vous repéré? Il a dû rencontrer le courrier que j'ai envoyé. C'est ce qui est arrivé. C'est lui qui m'a indiqué le chemin par où je pouvais rejoindre mon ami. Et me voilà. C'est très simple. Quand j'ai un service à demander, je sais que je peux compter sur Morgan. On va vous trouver une place pour vous loger. Ah, on peut coucher dans le même lit. On s'est jamais séparés, n'est-ce pas, Harry? Je souffre d'insomnie. Pendant que j'y pense, docteur, nous partirons bientôt, mais le temps que nous serons vos hôtes, j'aimerais aller à la chasse. Pourriez-vous me prêter un fusil? À cette altitude, il n'y a aucun gibier. Je trouverai bien quelque chose à tirer. Nous n'avons pas d'armes à feu. Ici, on ne s'en sert jamais. Dommage. Alors, on s'en passera. Nous chasserons une autre fois, peut-être? Je le regrette. Docteur Mourad, le docteur Mendez vous prie ainsi que le colonel Cardoza de venir le rejoindre au tombeau. Ah oui, excusez-moi. Comme permission, señorita. Vous permettez que je vous suive? Je ne vous gênerai pas et vous ne vous plaindrez pas de moi. Si ça peut vous intéresser. M'intéresser? Je suis amoureux fou de l'art antique. Je passerai mon temps dans les musées, si je pouvais. Ce Morgan, que vient-il faire ici? Tu le sais très bien. Qui ne vaut pas grand-chose, mais lui est un véritable bandit. C'est amusant, tu lui plais. Harry, je n'ai jamais demandé de faveur, mais je le fais aujourd'hui. Pourquoi ne pas nous sauver, toi et moi, sans hésiter? Et manquer toutes les danses indigènes? Je n'insisterai plus. Ce qui peut arriver maintenant sera bien ta faute. Le docteur est charmant, n'est-ce pas? Il est poli et très gentil. J'ai remarqué ses prévenances envers toi. Il dit « oui, madame, non, madame » d'une façon touchante. Ça ne me surprendrait pas qu'il te demande en mariage, ce gars-là. Il ne fouillera pas dans ton passé. C'est le moyen d'aller aux États-Unis. Peut-être pas à New York, il est de Boston. Je crois que tu aimeras Boston. Alors, tu resteras ici et je m'en irai tout seul. Que peux-tu espérer de moi ? Une femme comme toi ne peut vivre qu'avec un type comme moi, et tu le sais. Il faut que le docteur espère jusqu'au moment de notre départ. Je peux vivre sans toi. Voici pourquoi. On peut deviner comment se comportera un enfant selon la manière dont se comporte son père. Il subit son influence. Morgan, influence. C'est comme s'il était ton père. Un jour, tu ne seras plus Harry, tu deviendras Morgan, j'en ai peur. Je suis tout de même un peu mieux que Morgan. Quand un homme est aussi prétentieux, il n'inspire à une femme que du mépris. Est-ce que tu sais déchiffrer ça? Et toi? Oh, bien sûr, ça se lit très bien. C'est ton avis que je voudrais connaître. Tu as la pierre. Ça ne t'est pas difficile de t'en servir? Eh, mais oui, ce n'est rien pour moi. Laisse donc agir ton vieux pote. Ok, mon petit? Eh oui, bien sûr. Il va faire nuit. C'est le moment rêvé. J'ignore pourquoi, mais je travaille plus à mon aise dans l'obscurité. Je me sens vivre. Comme le chauve-souris. Sois poli, Harry. Je t'aime comme mon fils. Pourquoi? Ça va aller sans ça. Tu comprendras plus tard. Peut-être qu'un jour, t'auras besoin de moi. Tu vas me faire pleurer. J'aime vraiment l'obscurité. Personne n'a jamais fait fortune en pleine lumière.
Il me semble que je suis déjà riche. Il y a 14 ans que j'ai entendu parler de ce trésor des Incas. Il est là. Nous le touchons presque. Tout prêt à le partager. Moitié pour toi et moitié pour moi. Qu'est-ce que tu dis, ça? Cette nuit, je voudrais visiter ce tombeau. Qu'est-ce que tu regardes? Une sorte de miroir. Hein? Tu commences à dérailler, il n'y a pas de miroir ici. Tu es halluciné, hein? C'est au trésor que tu penses. Ça doit faire un drôle d'effet dans les mains. $1,000,000. Tu y penses, Harry? $1,000,000 dans tes mains. J'en tremble, rien que d'y penser. C'est du fric seulement. Oh, seulement, Eddie, moi je ne tiens plus en place. Il attend que nous, il est là, il nous attend. Et tu restes tranquille comme s'il ne se passait rien. Je réfléchis. Réfléchis debout, comme je fais. Je préfère rester couché. Ça me dégoûte moins. Ici. Je voulais connaître son avis sur quelque chose. Elle est sortie, mais peut-être pourrais-je vous renseigner à sa place. Je vais vous surprendre, il s'agit de vous. Que désirez-vous savoir? J'y reviendrai tout à l'heure. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle Intihuatana, la place où l'on garde le soleil.
Sa position est telle qu'une fois par an, le soleil vient en frapper exactement le centre. La Mamakuna gardait jalousement le trésor et, quand le soleil touchait le centre de cette pierre, elle élevait le trésor vers le ciel, ce qui signifiait que le dieu soleil était à nouveau captif des Incas. Voulez-vous m'épouser? Qu'avez-vous dit? Bien, je ne sais vraiment pas. Je me proposais de vous demander ce que vous en pensez. Mais vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas une réponse. J'aimerais vous dire la vérité. Vous savez où je travaillais il n'y a pas longtemps encore? Dans une boîte à La Paz appelée le Club Granada. L'orchestre était en bas, comme les quelques entraîneuses. Ai-je besoin d'assister? Non, inutile. Je veux fuir ce passé dont j'ai honte. Voilà. J'essaie de trouver depuis 2 ans un moyen de pénétrer aux États-Unis. C'est désespérant. Il n'y a aucune femme qui puisse y parvenir sans avoir l'appui d'un homme. Et l'argent me manque pour pouvoir le payer. Maintenant, vous comprenez? Oui. Mais ça ne change rien du tout, croyez-moi. C'est une folie. Non, je suis décidé. J'ai perdu trop de temps. Je m'en suis aperçu la première fois que je vous ai vu. C'est très important pour moi. Je vous brusque, je le sais, mais qu'importe. Vous voulez aller aux États-Unis? Vous irez étant ma femme. Nous irons même à New York. Où il vous plaira. Et en Californie peut-être, si ce n'est pas trop vous demander. Nous visiterons toute l'Amérique. Vraiment? Les voyages font oublier bien des choses. Vous faites allusion à mon passé. Malgré vous, vous y pensez. Vous ne craignez pas un jour d'avoir honte de moi? En voilà une question. C'est le tombeau. Il faudrait des masques. Seuls les membres de l'expédition peuvent pénétrer dans le tombeau. Les autres doivent attendre dehors. Ah, voilà une idée. Nous avons les mêmes droits que n'importe qui. Tu peux leur dire, Harry. Dis-le toi-même. Hein? Ah, ça va. Je suis surexcité. Je n'ai rien. Donnez-moi une soleil. Elle est gravée sur la pierre. Dommage pour la légende qui parle d'un symbole en or. La légende n'a jamais dit qu'il était en or. Maintenant, on sait pourquoi. Personnellement, je n'y ai jamais cru. Moi, si. Mon peuple aussi. Non, ça n'est pas un mensonge. Ça, ce n'est pas le vrai dieu soleil. Docteur Pérez, venez voir ça. Avez-vous déjà vu une chose semblable? C'est une réplique du dieu soleil gravée dans du quartz.
Manco Inca, we hawk him tall as hat. Qu'est-ce qu'il dit? On a ouvert le tombeau, celui de Manco, le vrai. Piwanan Fata et Taha Orienti. Il leur parle de Phébus. Hok Ninhar, Rumimantan Kaha, Amania Waditu, Wahakuna, Pachumichi, Waimun Hariahi Nichik, Puchukanampa, Orienti Hamuptin, Layanachik, Kusu Kisu Sasun. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il parle de Phébus? Cette fois-ci, tiens-toi bien si tu ne veux pas tomber à la renverse. On vient justement de le trouver. Alors ça va, faut pas se faire de bile, il n'y a plus à s'en faire, tout simplement. Ouais, mais l'embêtement, c'est que pour nous, il ne vaut rien. Hein? De la pierre, et c'est tout. Quoi? Comme ça. Ne pleure pas. Nous avons attendu pendant des centaines d'années le retour du soleil d'or parmi nous. La légende dit que c'est seulement quand il aura repris sa place dans le temple du soleil, auprès de nous, que le grand peuple des Incas pourra enfin revivre. Je ne vois pas pourquoi tu me fuis, nous pouvons très bien parler. Je ne sais pas de quoi nous pourrions parler. Si nous commencions par Phébus. C'est une pierre, c'est tout. Et c'est probablement une déception pour toi qui viens exprès de si loin. En général, je me console assez vite. Je me demande si je n'ai pas trouvé quelque chose de beaucoup mieux à la place. Et je voudrais en être sûr. Tu parles de moi? De toi-même. Dis-moi franchement, si le Phébus était en or et non en pierre, l'aurais-tu volé? J'ai essayé de ne plus fumer, jadis. Rien à faire. Le vice ne lâche pas sa proie. Tu aurais volé. Tu as ça dans le sang, Harry. Tu aimes les embêtements. Pas moi. Alors, je m'en irai demain matin. Très bien. Tu restes ici? Moreb? Je lui ai tout avoué, il n'ignore plus rien de moi. Il veut m'épouser quand même. Eh bien, j'admire son goût. Si tu es par là quand je partirai, fais-moi bonjour de la main. Harry. Tu ne m'en veux pas trop, dis-moi. Pourquoi t'en voudrais-je? Il n'est pas si mauvais.
comprends plus les copains? Tu ne t'imaginais tout de même pas que je te croyais quand tu me disais que l'Orphébus n'était qu'une pierre. Tu m'as pris pour un gamin. C'est bon. Que veux-tu? Ouvre la cachette. Je n'aime pas ça, Ed. Tu apprendras à l'aimer. Yachanin. Les Indiens ont poursuivi Morgan dans la partie ouest des ruines. Steele lui a disparu. Je viens tout de suite. Il faut organiser systématiquement les recherches dans les environs. Fred, tâchez de remettre la radio en état. Et c'est fait, docteur. Je viens d'envoyer un message à Tantou. Colonel, envoyez des hommes dans cette direction. Si, seigneur. Tu sais, Morgan, je me doutais que tu passerais par là. Alors, Harry. Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis crevé. L'altitude. Un vieux comme moi, zéro. Tu me l'avais dit, rappelle-toi bien. C'était au-dessus de mes moyens. Tu tenais le coup autrefois. Oui. Pourtant, je me croyais solide. Oui, comme autrefois. J'aurais voulu que tu me voies autrefois, Harry. Oui. T'avais peur de rien, paraît-il. Hmm? Ça va. Donne-moi ça. On devient vieux, Harry. On ne voit pas venir l'âge, mais... soudain, un jour, sans qu'on le sache, accablé par le poids des années, Harry, on devient brusquement un vieillard. Et on sent qu'on retourne à la terre.
La vieillesse est une terrible chose, Harry. Harry. Là-dedans, il y en a bien pour nous deux. Oh non, sois beau joueur, Ed. Tu as perdu. Oh, Harry! Ton geste ne s'explique pas. Je ne voulais pas l'emporter. Je voulais le retrouver et le laisser en place. Mais Morgan s'en est emparé. Et de plus, j'ai un témoin qui peut le prouver. Vous pouviez le garder et vous enfuir. Oui. J'ai beaucoup plus de plaisir à le rendre qu'à me l'approprier. D'autre part, il est un peu trop voyant pour moi. Où est passé votre compagnon, le gros? Il a le mal des montagnes. Alors il est tombé. Peut-être tombe-t-il encore. Docteur Moorhead, avec votre permission, je voudrais remettre Phébus dans le Temple du Soleil. Certainement. Colonel Cardoza respecte les formalités. Notre mariage n'est pas pour demain. Je n'ai pas pu me procurer de bague de fiançailles. Mes souvenirs le remplaceront. Où as-tu pris ça? Il a dû tomber dans ma poche pendant que je visitais le tombeau.